diverses banques en République dominicaine complices dans l'assassinat président Jovenel Moïse. 20 millions de dollars blanchis dans la banque République dominicaine. Eh bien, après mettre Newton Saint-Just, te fin voyer une lettre bail procureur République dominicaine. Eh bien, yon enquêteur dominicain prouve 20 millions de dollars passés dans la banque en République dominicaine. Et m'bral raconte ou tout détail. Mais ou rappelez ou tout, avant même Colombien yon te entré sous sol pays d'Haïti, c'est en République dominicaine yon te passé. Ou pas songe pati ça, gan pile ou kose ou pral découvri nan vidéo sa, chanti proverbe créole la di, justice bon Dieu, c'est kaka bef. Bon, sa ka passe nèg plateau central pendant dernier moment yo la. Nan jou passe yo, la police dépose la patte sous Jean-Louis, eh bien qui t'a assassiné trois petites li. Eh bien, hier encore, la police dépose la patte sous yon lot papa, qui lage deux petites lits dans yon tout toilette. M'ral raconte ou. Gentil proverbe créole l'a dit. À la belle courita belle, si bouquet pas existé. Et c'est sous parole ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité ou rale chez ou chita. Fou ko sami info pa ou rentre la kayo se yon plaisir. M'ral ba ou tout tripotay sa yon nan bon timamit. Sans retirer et sans mité. Bonjour, bonsoir tout moun. Kouman nou ye. Encore yon autre fois m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sur la chaîne, pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Nous avons une chance de présenter un petit compte ailleurs et compte ça qui c'était, eh bien, maman tout uni, mais elle couvre tout le monde là. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est ciel. Un petit cri-crac pour nous voir compte nous gagner. Sous proche prem, m'a grillé ou. Si vous proche prem, m'a grillé ou. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle, mon amyo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa cap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en kem te annoncé ou, eh bien, diverses banques en République Dominicaine complices dans la mort. Président Jovenel Moïse, puisque divers millions de dollars blanchis dans la banque dans le pays si là, capable de révéler acte intellectuel assassinat président Jovenel Moïse. Yon nan pi gwo bank en République Dominicaine, nan Santo Domingo, yon total de 20 millions de dollars blanchis pour payer assassiné président Jovenel Moïse, selon yon meilleur enquête sous blanchissement l'argent en République Dominicaine. Avocat José Manuel Patine, qui était allé l'école commerce dans Michigan, qui était responsable conformité en matière lutte contre blanchissement l'argent dans Citibank dans pays les États-Unis d'Amérique, déclaré dans télévision dominicaine Primera Entrega, diverses banques dominicaines capables sanctionner parce que yo te bail possibilité pour blanchir l'argent sans bail aucune explication. Avocat ça qui déclarait l'argent ça qui traversé dans le pays, qui c'est 20 millions de dollars pour tout le président Haïti, qui c'est un acte terroriste qui passait dans la banque dominicaine. Eh bien, dans la conférence, avocat Patine, pas dit si l'argent ça passait directement dans le système financier République dominicaine, qui t'a permis nous découvrir qui banque exactement et qui est-ce qui t'a pral condamné
ak yon amende. Eh bien, cabinet Patine ak associé li ki spécialisé nan prévention ak enquête sous blanchissement l'argent ak faute entreprise, li pa révélé comment li apprend blanchissement ça. Ni li pa di ki yes qui impliquait la dans le tout. Sans oublier, eh bien, dans le jour passé, M. Newton Saint-Just te voyait une lettre by procureur général République Dominicaine, Dr. Myriam, li exigeait une enquête sous blanchissement l'agent présumé ça. Si information ça, eh bien, vérifié, c'est une violation flagrante sous loi 1er juin 2017 là. Contre blanchissement l'argent et financement terrorisme. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, sous dossier ça, entendez M. Newton Saint-Just qui t'abaille plus de détails. Nous avons déjà entamé une grande campagne à travers le Parlement dominicain pour avoir une enquête parlementaire à travers le Parlement, le Congrès américain et les autres organes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, nous sommes en train de monter une grande campagne. Non, non, non pas pour Jovenel Moïse, non. Mais vous savez que, il faut nous qu'on honte. Ce qui s'est passé est une honte pour nous autres Haïtiens. Et malheureusement, il paraît qu'il y a d'autres peuples qui ressentent, qui ont honte de cette honte plus que nous. Et nous devons, comme citoyens, et faire ce que nous pouvons avec les moyens intellectuels, les moyens technologiques qui sont à notre disposition pour démontrer à ceux qui ont peur que la lutte entre la vérité et le mensonge, c'est une lutte qui a pris naissance, disons, depuis la naissance des siècles. C'est-à-dire que cette lutte va toujours exister, mais on n'a pas besoin de 20 millions de dollars. On n'a pas besoin des armes comme la Colombienne pour faire triompher la vérité avec les moyens, surtout, qui existent aujourd'hui. Maintenant, le danger aujourd'hui, c'est de laisser, d'abandonner cette enquête entre les mains des États-Unis, de l'international. Nous autres, nous avons là cette habitude de dire et de croire que c'est entre les mains des Américains, donc c'est bien gardé. C'est faux. Ils sont menteurs comme tout le monde, comme tous les hommes. Ils sont corrompus comme tous les hommes et ils défendent surtout leurs intérêts comme tous les hommes. Mmh. Et je vous donne un exemple. Le crime a été planifié dans les locaux de CTU, de Counter Terrorist Unit. Dirigé par Archangel Pretel et Antonio Entriago. Par exemple, Antonio Entriago était en Haïti 3 semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était venu coordonner tout. Et son avocat a déclaré à un journal américain et mexicain que Entriago avait même cherché, avait pris des dispositions pour rencontrer l'ambassadrice américaine en Haïti. Mais bah, il était vraiment occupé, il n'y avait pas, je dirais, ils n'ont pas pu trouver une entente pour avoir un rendez-vous, mais ils se sont rendus À l'ambassade pour les avertir ou pour les informer du travail, du boulot qu'ils étaient venus faire en Haïti. Et le travail a été fait. Le travail a été fait. Oui, mais c'était quel travail? L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est ce que nous avons comme résultat. C'est ce que nous avons comme résultat. Mais on rapporte qu'au départ, il n'était pas question d'assassiner Jovenel Moïse. Je suis désolé, c'est le résultat qui compte pour nous. Mais, deuxièmement... Donc, vous êtes en train de nous dire, de confirmer pour nous, qu'avec ces éléments-là, que les Américains étaient bel et bien informés d'une opération, de la présence de ces gens sur le terrain, et qu'ils n'étaient pas venus apporter des fleurs au président haïtien ou faire du tourisme. Mais deuxièmement, Archangel Pretel, qui est Archangel Pretel? Archangel Pretel est l'un des agents les plus importants de la CIA et de la DIA dans le cadre de la lutte contre les FARC. Il a permis à la justice américaine de juger plusieurs hauts gradés de FARC en Colombie et qui ont été extradés vers les États-Unis.
après ou avant même l'incident, parce que c'est lui qui a procédé au recrutement des criminels colombiens. Mm-hmm. Eh bien, sa déclaration était claire que ce que vous allez faire en Haïti est supporté par le gouvernement américain. C'est ce que la plupart des militaires colombiens, leurs parents, mm-hmm. leurs familles ont rapporté que Arcángel Pretel, bon, maintenant, une enquête va déterminer si Arcángel Pretel mentait ou non, mais cependant, les faits nous montrent qu'il avait raison. Pourquoi? Mm-hmm. Arcángel Pretel et Antonio Intriago sont les deux premières personnes à être questionnés, auditionnés par FBI, mm-hmm. par le FBI. Où sont-ils maintenant? Ils sont quelque part dans l'air, dans la nature. Ils sont protégés peut-être pour les services rendus. Or, qu'est-ce que nous avons vu? John Joao Joseph, Palacios, Jarre ont été recherchés et arrêtés en Jamaïque, en République dominicaine. Mm-hmm. Et Arcángel Pretel et Antonio Intriago sont à Miami, sont en Floride. Ils sont en Floride, c'est, oui. Ils résident en Floride. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées. Ils devaient être les premières personnes à être arrêtées si véritablement les Américains voulaient nous aider. Pas nous aider, mm. mais voulaient et que la manifestation et la recherche de la vérité. Mm. Si M. Ariel Henry veut démontrer qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire et que son gouvernement, comme il l'a dit par exemple dans une entrevue, lors d'une entrevue avec Miami Herald, qu'il veut tout faire pour faire la lumière sur ce dossier, il y a une opportunité en or qui lui est offerte aujourd'hui avec ce qui se passe en République dominicaine. Montrez-nous, M. Ariel Henry, que vous voulez que la vérité jaillisse sur les auteurs intellectuels de cette infraction. Parce que, vous savez, un crime comme celui-là, c'est un rire, à la fois un rire et un sourire moqueur. Non, non rien de cela. De tristesse aussi. Rien de cela. De tristesse. Alors, ce que je veux dire, en matière de crimes financiers, et en matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée, le cœur de la criminalité organisée, c'est l'argent. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce principe, cette formule anglaise, « Follow the money, siga el dinero ». Suivre l'argent. Eh bien, en suivant en suivant l'argent, vous avez déjà les criminels en main. Chaque dollar identifié vous permet et d'approcher plus près et du criminel. Mmh. Et aujourd'hui, la meilleure façon de savoir qui a tout fait est de savoir qui a financé. Et les mains qui ont financé, vous savez que l'argent qui a été dépensé n'était pas tombé du ciel. Mmh. Et il venait de quelque part, oui. apporté par quelqu'un. Mmh. Et donc, Monsieur Ariel Henry, c'est une opportunité qui lui est offerte aujourd'hui en instruisant, en intimant l'ordre à l'UCREF. Et parce que l'homme qui n'a pas encore un juge sur ce dossier, je ne sais pas si on aura le temps de parler de magistrat Bélab, l'homme qui n'a pas... C'était justement le dernier point que vous allez aborder avec vous. Et l'homme qui n'a pas de juge sur ce dossier, vraiment. Mmh. Et donc, le gouvernement haïtien peut demander mmh. au gouvernement dominicain de vérifier ces informations et le gouvernement haïtien peut aller plus loin à travers le GAFIC et pour vérifier si effectivement cet argent a traversé nos frontières ou bien s'est déjà retrouvé en République dominicaine, si cet argent a été utilisé pour assassiner Jovenel Moïse. Et parce que le système bancaire dominicain, à travers la Unidad de Análisis Financiera, doit produire des rapports mensuels. Et un tel montant mm-hmm. doit faire l'objet d'une déclaration de provenance de fonds. Mm-hmm. Si quelqu'un est venu avec quelques millions de dollars dans une valise et dire qu'il faut remettre ça pour nous aux Colombiens, mais il faut que cela passe par votre système bancaire afin qu'il soit blanchi, en parlant de cet argent. Donc, c'est tout le système
système financier dominicain et plus tard peut-être le système politique qui peut être touché, qui peut être concerné par cette affaire. Mmh. Non, et nous avons besoin d'hommes d'État. Mmh. Nous avons besoin que M. Ariel Henry prenne sa responsabilité. Alors, là même qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, nous autres comme citoyens, à travers les mécanismes en place, à travers les réseaux que nous avons, eh bien, nous allons forcer et M. Ariel Henry, la justice dominicaine et pourquoi pas GAFIC à mener une enquête. Oui. Bagayo compliqué, extrêmement compliqué, mesdames, mademoiselles et messieurs. Nous rappelons, eh bien, divers Colombiens te fait photo devant palais en République dominicaine. Nous pas rappelons dossier ça. Nous rappelons avant assassinat Jovenel, te gen gros réunion que te fait. Divers ex-présidents dans le pays d'Haïti te déplacé, vin participer dans réunion ça en République dominicaine. Et rappelez-nous tout, Christian Emmanuel Sano a débarqué dans le pays d'Haïti avec divers lots. C'était dans un petit avion dominicain qui a débarqué dans l'aéroport Toussaint Louverture. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il faut que nous jouions une explication sur tout point ça. Et rappelez-nous tout, les plan négio c'était arrêter président, c'est ça au fait qu'on est au pas de plan tout. C'était arrêter président. Donc, ça qui fait plan pral changer, c'est parce que yon pas qu'à joindre avion pour capable aller ensemble avec le président non pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître dans qui pays yon tap mené Jovenel. Faut connaître dans qui pays assassin yon tap mené Jovenel. Parce que nous rappelons nous dernièrement à travers divers tweets, eh bien, John Joel Joseph te fait. Lidzou, département d'État à gauche, département d'État à droite. Est-ce que c'est aux États-Unis ou t'apprends l'ensemble avec lui? Est-ce que c'est Colombie ou t'apprends l'ensemble avec lui? Est-ce que c'est Venezuela ou t'apprends l'ensemble avec lui? Est-ce que c'est République Dominicaine ou t'apprends l'ensemble avec Jovenel Moïse? L'important pour nous qu'on partie ça. Et frère, c'est ça bien aimé. Ou qu'on y a un bagay qui est très important. Monsieur, où est le sous-sous? Lorsqu'on peuple et pour une équipe dirigeante sans caractère, mais des fois tout c'est tellement yo fait crime, moun kounya la tout moun konn yo son bon criminel, yo pa prêt pour rien. Yon groupe colombien sorti la caillou, d'accord, yo te gen mission, yo vin accompli mission, mais yo participé dans touye un président qui élu et jusqu'à présent gon paquet qui nan prison. Est-ce que pays Colombie même une fois te connote li mette deyol présenter excuse li à nation haïtienne? Non, réponds-moi, est-ce qu'elle te met ton note deyol pour présenter excuse? Parce que immédiatement gon groupe étranger qui saute côté au sorti kal touye un président. Eh bien, c'est gars déclaré ensemble avec pays ça. Juste imagine ou, eh bien si c'est nous qui t'es en position, eh bien, nous te monté yon groupe mercenaire nan tou yon président nan pays Colombie. Comment yon tap wè bagay la? Comment yon tap pran nou? Donc, des fois, frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre bagay, yon faut faire investir, il faut garder pour comment ça tap yé pour ou, qui ça tap réservé pour ou après zak sa ou fin fait. Adje la vie sa ou, et pour garder ou dirige ou se ti photo yon fait. Ak ex-président, yop baiti lan, mais est-ce que ça dirige ou fait plus dans le pays d'Haïti? Fait photo ou yop chita, yop planifié, an yon pa jam fait. Photo yop te contre un tel, yop te contre un tel, c'est photo seulement yop fait. Même joué artiste yop pa réglan yon, hein? C'est même jan politici yop pa réglan yon. Frère, c'est ça bien aimé, pas qu'on kene chen ma yop marche dans le pays, non? Ou artiste sa ou li el travail, li jan chita, m'de contre tel artiste, m'fait photo, puis le poste, li bon respect, et puis qui ça? Yo kwaz avec ou atis étranger, ou lié ou bataille pour arriver dans même niveau, ou juste son photo, yo a gagné comme souvenir, même j'avec dirigeant pays d'Haïti. Ou lié ou bataille pour développer pays, pour yo faire pays aller vers l'avant, c'est juste photo seulement yo fait. Matt Newton, on continue, petit garçon. Le nouveau juge d'instruction vous a. En fait, vous l'avez appelé. Le qui? Nouveau juge d'instruction, vous l'avez parlé. Qui? Le nouveau juge d'instruction. Vous pouvez parler de Belab? Oui. Alors, tout le monde connaît. Il faut dire que Belab et moi, on était au programme de maîtrise en criminologie en 2007-2008.
Et depuis l'affaire Sogener, on n'a aucun contact. Vous savez que... Pourquoi? Et pour des raisons... conflit d'intérêts ou... Non, parce que... d'abord, pour une inimitié et capitale entre lui et Maître Février, et nous avons dû demander son renvoi, faire une action en renvoi, en dessaisissement contre magistrat Bélab, et ce qu'il n'a pas dit, bien digéré, donc il nous a tous considérés comme des ennemis. Il était avocat. Il est juge, non, juge d'instruction. Okay. Et dans le cadre du dossier Sogener. Maintenant, lorsque j'ai appris que ce dossier a été confié au juge Bélab, la première chose que j'ai faite, et j'ai été appelé par plusieurs médias, j'ai dit que je vais donner un temps au magistrat Bélab pour voir ce qu'il va faire. Maintenant, les dernières informations me font comprendre que ce juge n'a jamais eu ce dossier. Le juge n'a jamais eu le dossier et je ne sais pas pourquoi que le juge n'a jamais eu ce qu'il a demandé. Je ne sais pas pourquoi. Et je vois sur les réseaux sociaux des gens qui parlent beaucoup, qui se plaignent, qui se moquent, je ne sais pas, des obligations, des exigences du juge. Je ne sais pas si c'est fondé. Mais je dois vous dire que, par exemple, 1 million de gouttes par mois pour un tel dossier n'est rien. Ce n'est rien du tout. Et c'est ce qu'il a demandé? C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant, ce que je veux dire, que le pouvoir judiciaire est un pouvoir comme tous les autres pouvoirs. Si nous voulons véritablement appliquer cette constitution, malgré cette situation dans laquelle nous vivons, il faut doter les trois pouvoirs des mêmes moyens. D'abord. Mais ensuite, je dois vous rappeler que pour mener le dossier de Jean-Dominique, le palais national, M. Préval, ce qui n'était pas tout à fait conforme aux principes, je dirais, institutionnels, mais M. Préval a mis à la disposition du juge Claudie Gassan 500 000 gouttes par mois. Et à l'époque, nous sommes entre 2001 et 2003, et il nous fallait entre 29 à 42 gouttes pour un dollar. Donc, c'était encore plus d'argent. Ça valait quelque chose. Cela valait beaucoup plus d'argent. Donc, en dehors des moyens économiques, pour mener à bien ce dossier, le juge, quel que soit le juge, il aura besoin de ressources humaines. Par exemple, le président Jovenel Moïse avait commandé de payer une enquête sur les gangs armés, sur les exportateurs, je ne sais pas, les importateurs, les trafiquants d'armes. Pour ce rapport, on a dû payer à M. Saint-Effus 700 000 dollars américains. Mais dans le cadre de ce dossier, on peut besoin de l'expertise de M. Patine en République dominicaine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va demander. On peut besoin de l'expertise de spécialistes en matière de terrorisme. On ne sait pas ce qu'il va demander. Donc, et la justice a un prix, et la justice n'a pas de prix. C'est-à-dire que pour que la justice puisse triompher, il faut investir beaucoup, mais le prix à payer n'est rien. C'est ça que je dis, que la justice n'a pas de prix. Donc, moi-même, j'aurais aimé voir les premières actions du juge Bélab dans ce dossier. D'autant plus que j'ai appris que ce mandat arrivera à la fin de ce mois, mais ce n'est pas un problème. Parce que j'ai vu là, la semaine dernière, M. Ariel Henry nommé il a renouvelé le mandat. Renouvelé le mandat de plus de 80 juges. C'est une formalité. Donc, j'aimerais voir et juge Bélab à l'œuvre. Mais je dois aussi dénoncer qu'il y a une campagne aussi que j'appelle Zafra, et de recrutement des juges pour ce dossier qui se fait à la primature, parce que M. Ariel Henry ou bien ceux qui l'entourent ne veulent pas qu'il y ait un juge. Et je ne sais pas si M. Bélab a fait l'objet de ce... est passé par cette campagne de recrutement, mais c'est une campagne sérieuse, parce qu'on ne veut pas voir les droits
de M. Ariel Henry dans ce dossier. Il y a d'autres personnes aussi qui ne veulent pas qu'on voit leurs doigts. Mais ce serait de bonne guerre. Mais dans l'état actuel du dossier, à partir de ce qui se fait au niveau international, cette loi prise par l'administration Biden après sur demande du Congrès américain ce 15 mars, et cela démontre que de plus en plus, il nous faut des juges qualifiés, il nous faut sauver notre dignité, il y va de notre image, et avec les... On va sauver ce qui peut l'être, en tout cas, maître... Avec ce qui se passe aussi en République dominicaine, il faut qu'un juge soit enfin en charge de ce dossier, et parce que, comme nous l'avons dit au début, en matière d'enquête, plus le temps passe, plus il est difficile d'aboutir aux résultats escomptés. En tout cas, justice, bon Dieu, c'est cacabef. La justice pas chambé di bataille, attendez. Quel que soit plan criminel yo gagné, gon kafou yo privé, yo mette code nan kou yo quand même. Gentil proverbe créole l'a dit. Tout menti pas foncer l'âge li l'âge. Eh bien, frères et sœurs, journée jodi a nan dossier assassinat Jovenel, nan dossier assassinat Maître Doval, m'a dou pran patience. M'a ressenti ou chimé ap long, mais quand même nous pas capable joindre. Bonjour Résinta. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, laissez pas garçon kap touye femme, qu'on y a messieurs lagé nan touye propre petit yo. J'en ap gade image ça, eh bien, élément sa rele Sony Cassius Jean. Eh bien, li prend deux petites li, li lage yo non tout toilette. Et c'est grâce à intervention voisinaille qui courit, eh bien, prend si moun yo rale yo nan tout. Malheureusement, ge youn ki mouri, mais ge youn nan moment kap pran soin dans l'hôpital mi balèr. Eh bien, frère et sœur bien-aimé, zak sa yo pas suspend fèt nan commune mi balèr. L'autre jour qui sot passé à là, te genye Jean-Louis qui tatouye trois petites li qui en bas code et journée jodi a encore nous genye Sony Cassius qui en bas code à cause li prend deux petites garçons li genye li lagé non tout toilette et bien sak sa qui passé dans localité nan Gilbert pou kounye a et bien Sony nan garde à vue. Après, eh bien, juge Nixon Marcellus te fin fait constat légal yo. Mes amis, maman yo, plus présent, plus prudent. C'est vrai qu'on connaît situation difficile, mais ça va peut-être so fin font ti moun, et puis qu'on y a là pour prendre tout de à toute connaissance sur yo pour boire dans toute toilette. A qui ke, mes amis? Bagay la compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, insolite nous pour journée aujourd'hui. Oh, papa, vendredi, oui, matin. Weekend fait commencer et puis gade nan ki situation jeune garçon trouvé nan derrière moto. On gade vidéo ça ensemble. Problème man a calculé, comme l'huile, quand mes cap s'arrêter, comme l'huile, quand puis papa niquer, comme l'huile, quoi c'est pas si bien. Est-ce qu'on a des causes dans des motos hein? Est-ce qu'on a des zé dans des motos? Mes amis, vendredi matin, oui, mon jeune garçon qui est en sous dans l'état ça. Bagay la compliqué. Pendant moi, jeune garçon ça dans des motos, ça m'a rappelé. Il y a trois messieurs qui montaient forêt des pins, ils allaient dans le marché. Mais, dans l'après-midi, ils ont tourné dans le bouc, font verrette. Pour sortir forêt des pins, pour arriver dans la ville, font verrette, c'est un coup de sorti et Keskov ou braler Léogan. Mais, puis, fort, Lyonnet, c'est mon yoye. Eh bien, trois nèg yo qui monte forêt nan matin ak yon moto, yo rive forêt, li fè fret. Eh bien, nèg yo tombe bwè tafia.
Neg yo breta fia, yo breta fia, yo breta fia. Mais gen youn li même qui fait taxi, qui pas tellement bwe en pile, mais de l'autre yo soukou pipirit. Et bien ça qui passe, frères et sœurs, n'après midi, oh oh. Trois neg yo monte moto, hein? Et puis yo ap descend, puis yo vini fon verre. Mais gonson ki rele te froide. Depuis là commencé rive là, température a commencé changer côté te fret là, li commencé font ti chaud. Ah. Nèg yo commencé chaud et puis clairien commence à faire plus effet. Gonson ki rele batte froide. Ah. Sa ki te chita en dernier sous moto a saut tombé. De l'autre yo, clairien tellement fort dans tête yo pas senti si l'autre la tombé des motos. Ça veut dire c'est comme si m'a sorti. Eh bien, fait mat en l'air. Les m'rivé dans zone la boule 5, gen yon ki tombé et puis nous pas au courant. Les on pral resi konné. Gen yon ki tombé, c'est les rivan ba la ville. Les ça l'a fait picho clair a dégager tête yo pral clair là yo camper moto a yo vi regarder yo pa wèl l'autre là ça veut dire t'es en tombé dans route depuis longtemps il perdu en route là alors très caboule avec haïté papa mesdames mademoiselles et messieurs j'en ai regardé image ça oui ça c'est Eddie One D.I. est débarqué vin prend en Haïti. Mais mon dit non bagay. En pile nan nou critique, li fè l'aide pour regarder si américain de temps en temps k'ap vin pran nèg Borisit ou la souveraineté, ou la souveraineté, la souveraineté, la souveraineté. Mais nou gen souveraineté. Frère, c'est ça bien aimé, nous pas rappeler nous en 2020. Yo te mette di wan en bas code pour drogue. Qui juge qui te libéré? C'est tête nous question ça parce que c'est nous mêmes qui audacieux, c'est nous mêmes qui fait bêtises dans propre pays nous, et puis faut nous jouer nos monde pour nous acquiser. Laissez pas mauvais esprit, c'est Satan, c'est les États-Unis qui la cause n'a souffri. Laissez pas mauvais esprit, c'est les États-Unis. Laissez pas les États-Unis, c'est la France. Laissez pas un tel, c'est un tel. Laissez pas nous pas chambre responsabilité nous. N'a pas parlé de souveraineté, ou tandis que la police arrête l'ensemble avec de l'autre policier, mettez-le dans le poteau, li joue un juge qui blanchit, il dit c'est vrai. Juge la blanchit, li voye la kaili. Donc, je ne jodi a, comment juge sa wel nan miwa? Comment le garde tête li? Comment le sent-il? Le garde l'oué di i et apprend, monte avion, j'en mis si ap grien dans en tant que sans honte pralé. Comment on sent ou comment on ou en tant que juge, comment on ou? Et puis, je ne jodi, nous tout a pété courir, mes amis gang yo, soubisant. Ouais, nous, qui gang officiel dans le pays, même pas perdu nous ça. Comment ou, je ne jodi, elle a parlé de souveraineté, souveraineté, tandis que nous kembe nèg la men en sac dans drogue. Nous kembel la dan, nous blanchil encore. Donc les États-Unis, ou bien j'en suis capable de dire, DIE e qui vient prendre la se persécution politique ça. Persécuté, persécuté, le menti, yop fait souli. Gade j'en la laisse pour la, le gade j'en la souri. Oh my god. Et ou kon sak bel la, frères et sœurs. Majorité gros drog dile qui gen en pays d'Haïti, c'est zami autorité, oui, oui. Sénateur, député, président, ministre, gros policier, etc. Oh, on bagay kon sa. Comment nous ouais nous? Et puis c'est ça, c'est responsabilité ça, toujours parler nous pas j'en prendre parce que l'on pas prendre responsabilité, ou qui est-ce qui a respect pour? Les confins fait bêtise, soit kembe nèg la nan drogue ou konn ladan, soit le ba on ti kakaran et pour la gueule. Et puis je ne jodi a wap gade tête ou nan miwa, wap gade di i e kaprel kap monte ensemble avec ou di m'fè comme pam nan m'fè le net. Et puis je ne jodi a c'est ou même kap kouri pour gang qui nan qui soubi centenaire oui tribunal pa ka fonctionner. Comment fait l'autre blanchi criminel sa yo, l'autre blanchi drogue dealer yo? Et bien
tribunal te fonctionne normalement. C'est là pour moi un dossier, eh bien, malheureux, qui fait 15 ans en prison, qui vole un régime banano, laisse ça, eh bien, pas gagner sécurité pour le tribunal là fonctionner. L'autre a libéré, eh bien, kidnappé, gros volé, assassin, soi-disant, prisonnier politique, ou te joué une sécurité, tout bagay te passe bien pour, mais qu'on y a ou pas joué une sécurité, c'est quoi l'histoire? Comment nous, ouais, nous? Parce que nous qui ça pour défaut, nous pas chambre responsabilité. Nous pas chambre responsabilité. Après ça, pour j'en a fait zye, nous cherchons dans la République. Oh oui, la souveraineté. La souveraineté. Bon, doug dit le sans bas pied nous yoye. Se yok ban nous manje, se yok goue petit nous l'école. Et puis nous vin parler la souveraineté. Joune jodi ya. Dis-moi comment yon l'autre pays pral gen respect pour un juge dans le pays d'Haïti. C'est un bon abolotio. On bon abolotio. Donc, l'autre la konne qui est ce qui mange l'argent Petro-Caribe et puis a fait je recherche mon pose yo pa konne. Tout de vole. L'autre la konne dans qui condition tout yé Jovenel, oui. Et bien, c'est là dans tout le besoin riche, oui, chaque mois pour yon bali 1 million goud pour toute famille jouen visa. Et dans dossier ça même pour famille jouen visa. A la traka, papa. A gay qui dit oui. Là, on a fait avec une équipe chef, vicieux, grand goût, saf, qui pa kakin beke. Eh bien, non, qui ça nous capable espérer de yo? Frère, c'est ça, bien aimé, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, sauf volé kaprete. Nous gagne Fritz Dorvilliers, eh bien, qui se consul Haïti dans Montréal. Nous rappelons-nous dernièrement là, m'te pote nouvelle, ça pour nous. Pays Canada mette pays d'Haïti dans liste pays pour participer dans programme 1000 infirmières. Consulat estime, autorité yo pa dwe kite ressources sanitaires pays a al travail au Canada. Ça veut dire pour stopper infirmières qui décident de tenter chance pour yo al travail dans pays Canada. Haïti fait partie pays qui plus faible dans ratio personnel santé par habitant. Eh bien, gagner 10 professionnels sous 1000 habitants. Consul, aïe aïe aïe, petit garçon, nous comprenons, mais qui ça n'a fait bon ici? Pour l'État stopper nous pour nous parler, ça l'État ba nous fait pour lui là. Ça l'État ba nous fait pour lui là. Pas l'État, c'est caoutchouc, dit nous boule. Gardez ça qui a passé dans l'hôpital général, qui a plus passé 10 jours depuis l'hôpital la campé. Si mon ap mouri, Ariel, gardez nous ces docteurs qui dans tête pays là. Qui sort avec passé? Et vous voulez pour nous rester là pour nous faire qui ça? Pour nous bouler caoutchouc? Pour toujours aller aller dans grand assemblée pour dire le pays va mal et sans besoin? Non frères et sœurs, ça l'état va nous régler pour lui. Qui ça l'état haïtien ban nous régler pour lui? Que bouler caoutchouc camper des barricades nous c'est lui qui a venir nous. Qui ça va nous faire? Qui institution qui a marché? Non, expliquez-moi, c'était Jovenel qui était problème auparavant. Donc, je ne dis pas, non, donc, qui est-ce qui a plagué charge là? Frère, c'est ça bien aimé, pour jouer un travail dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas de question de compétence, non? Mais son question de belle devant. Yes. Son question de belle dache. Son question de façon habillée. Son question de belles outils. Ya! Donc, gè kote ou pralman de travail dans pays d'Haïti. Bien que ou konnen dans pays a, yo pa apprendre nous pour nous faire business, yo apprendre nous pour nous travailler à moun. Yes, ça nous clé sous li. Mais quand même pour commencer gon côté pour t'ap toucher puis pour faire l'argent pour créer propre entreprise pa, pas gen problème. Consulman m'explique un bagay. Gè kote ou pral chercher job dans pays d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, depuis 3 mois faut commencer faire dette comment? Ou achete bagay pou al nan gym. Ou al fè de yo pousse. Ou al fè squat pou gen bel jaret. Ou al fè pile abdomino pou ventou kase. Ou al leve alte pou teto bien pointu. Of course. Et puis ou al arrive a, gon jon debake. Gon jupe 3/8 sou. Ke fon nan rive en bas mis de yo. Kuis yo bien paret ou mette yo en valet. Et bien, se pa même nan CV a yo pral gade. C'est sous taille, c'est façon présenter, c'est sac sous ouf, faut acheter bon parfum pour le présenter. Yo pa gen temps pour li CV. Yo pa gen temps pour li bagay comme ça.
Bon, sous besoin de job là, tout bon vrai, le wap leve patron qui t'a pas son interview a, gonjon passo, gale non kembe baguette pantalon, ou font soukel, hein, ou leve ou pren poye pou la gecha. M'ba kache dou, demain matin vin travay bonne, oui. Nan pays d'Haïti, de ki compétence, ressource, ki ressource, mes amis. Ou pa ou sa ou fè jen yo? Gade ki est ki dans tête pays a, yon gran moun 78. Gade qui est-ce qui est dans le ministère de la Santé? Yon grand moun 83, ka pipi pou pou toilette sous lit. Gade qui est-ce qui a besoin de mettre président provisoire? Mais c'est Jean-Louis, chaque 3 jours, il perdit la parole. Et puis c'est lui qui a besoin de mettre président, etc. Où est-ce qu'il a besoin de jeunes dans le pays? Si c'est yon n'a nou pas nous mourir déjà, et pas des barricades yon mette nous, boule caoutchouc, fè kreye, c'est ça, seulement yon quitte pour nous. Il n'y a pas quitté ressources. Parle cause qui normal tant de frères. Ou consul, quand tu sortes café pour nous pito, parce que Jean Wap dit pas quitté, ou a dit ça n'a pas de fait. Qui ça n'a pas de fait, frère? Qui ça n'a pas de fait? Ou a bataille pour faire business? Et bien, ou a saisi, ouais, pour commencer à avancer dans le business. La. Même moun qui boit koto a fait complot. Là ou e façon ap rentre kòb, et bien gon jan ap bataille pour éliminer parce que yo pa vle ti piti ki nan classe moyenne nan passé. Ou ap wè comment yo ap tout pizou, comment yo ap déraciné ou. Bagay yo an pil oui. Ou même ki ka tante chance ou jwenn ti travail mes amis, tante chance ou al travail tande. Ou ki pe konsil la tande ki nan Canada ka bret lo glacé, ki pense Haïti easy, jan lizi lòt bò. En tout cas, gede moun, se mò en vacances yo ye, se mò yo ye, yo pa konn bri dra blan. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. J'en ap gade ti vidéo sa. Ou ti vidéo sa gade le bien. Chien ki ou zon ou ki vet. Chien ap force pran zo. Gade bien, mes amis. Chien pense zo a nan ki vet la. Mais malheureusement, zo a tout kole nan ki vet la, donc son dessin liye. Eh bien, c'est même discours ça, politicien qui n'est pas bon ici. Là, on vient dire, on va le faire ceci, on va le faire cela. Menti. Menti. Y'a pas campé sous moyen. Menti. Pas gagné, on va le faire. Donc, faut commencer capable de toucher bagay. Faut commencer à suspendre, vivre dans le rêve. Faut commencer à vivre réalité. Attendez. Le nek dou li pral fa gauche, li pral fa droite. Le nek di li pral bay population ka, etc. Mene ti investigation pou konn kote le rete. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nek la pa ge kay pou le rete, comment le pral fe? Eh bien, fe kay pou rete. Bon, par contre, prion saximan, mes amis. Comment on vle pou la le fe kay pou rete? Tandis que li même li pa ge kote pou le rete. Alors, tra ka pou la ve kay te papa. En tout cas, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, c'est la république des coquins, sauf volet caprété. Qui vivra verra, qui mourra kakara. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais quitter ou non, papa, bon Dieu, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Foucault et n'a pas dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous. One love. M'ramasse paquet moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'bralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.